Bonjour à tous, donc je vais vous faire un petit vlog, enfin je vais essayer, je sais pas ce que donnera ce vlog, de l'avant-première donc des Crimes de Grindelwald, les Éléments Fantastiques 2 à Paris. Donc j'ai réussi à avoir par grande chance un billet pour accéder à la fan zone. Donc c'est Fatma qui est avec moi, ben voilà, elle a pas réussi. Bah moi non. C'est, voilà, on est quand même venus toutes les deux. Et ben du coup voilà, là quelle heure, il doit être 8h, 7h30, ouais, 8h ce matin, j'ai arrivé à Paris et donc, le tapis rouge derrière on s'est mis en place. Et ben du coup voilà, pour l'instant il n'y a pas trop de monde et ben, du coup on va attendre et on va voir ce qui se passe dans la journée. De cosplay en août. Ouais, quand même. So I just wanted to say to us that she spent a year here as a student. Paris has always been such an incredible, incredible and moving place for her. Thank you so much for that. So beautiful. Especially speaking in French. Thank you.
Ladies and gentlemen, please put your hands together for the phenomenal cast and crew from Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Nous sommes dans la salle de cinéma, on va bientôt voir le film. Donc là, on vient de finir le tapis rouge qui s'était. Ouf, J.K. Rowling, trop belle. Enfin, je vous fais un débrief du tapis rouge à la fin du vlog, à mon avis. Et du coup, là, dans quelques minutes, le film va commencer. Et du coup, je vais vous montrer un peu l'affiche qui est devant nous à l'écran. Alors, on se retrouve le lendemain des avant-premières. Je suis désolée, hier, j'ai pas eu le courage de finir le vlog. Parce que, après, il fallait encore que je reprenne la route pour remonter Paris à Lille, et en fait j'ai pas dormi du coup pendant 24 heures et j'étais épuisée. Alors du coup j'ai vu le film, il était juste top, il est bien au-dessus du premier selon moi. Bon, je vous en dis pas plus, mais il est génial. Et sinon du coup, pour revenir un peu sur cette journée, donc journée très très éprouvante parce que dehors il est un peu froid, quasiment pas de sommeil, pas de nourriture, debout, enfin épuisant très physiquement, c'était très physique. Et très stressant parce qu'on sait jamais au final ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à accéder, je pense que, pour moi c'était bon, vu que j'avais les billets pour. Mais voilà, on sait jamais si on va avoir quelque chose ou pas au final. Mais du coup, on nous a donné, quand je suis passée, ce petit bracelet relique de la mort, en fait, qui était un peu télécommandé sur le tapis et qui s'illuminait en même temps que toutes les autres. Et là maintenant, je peux l'allumer comme je veux. Donc là, c'est super cool, j'aime bien parce que c'est collecté à l'avant-première. En plus de ça, on a eu ce petit tote bag, donc vous voyez que les crimes de Grindelwald, donc l'avant-première mondiale. Et dedans, on pouvait avoir soit une baguette, soit un t-shirt de l'avant-première. Donc moi j'ai une baguette et j'ai eu celle de Queenie, donc c'est super cool, franchement, c'est trop bien qu'ils aient fait ça. Et j'ai également eu donc ce petit plan. Donc attention, je sais pas, c'est pas vraiment un spoil, mais je vous la montre pas très très fort, mais elle a été pas mal mise sur les réseaux sociaux. C'est un plan de Paris avec tous les lieux magiques. Donc voilà, je vous le montre pas plus en détail pour éviter de vous spoiler. Et donc sinon, pour le tapis rouge, ce qui s'est passé, alors j'ai réussi à avoir une photo avec Ezra Miller qui est floue. Une photo également avec l'acteur qui joue le frère de Eddie, dont je ne me souviens plus du tout du nom. Alors j'ai fait signer également ce poster que j'avais préparé, donc que j'ai imprimé en A3 avant de partir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs signatures, je crois qu'il y en a 7 au total. Je n'ai pas eu tous les acteurs, notamment, alors j'ai pas eu Eddie Redmayne ni Dan Fogler et certains autres dont je ne connais pas les noms. C'est des nouveaux acteurs de la saga, j'ai pas encore eu le temps de retenir leur nom, mais il va falloir que je rectifie ça. Et donc, pour l'instant, je ne sais pas identifier à qui est autographe de qui, puisque ils ont tous signé très très vite, j'ai pas eu le temps de voir. Du coup, je vais devoir aller faire des recherches sur internet un peu pour savoir à qui appartiennent les autographes. Et du coup, j'ai un peu filmé tout, vous avez vu un peu avant, je suis désolée, c'était un peu le bordel, mais voilà. Et du coup, j'ai rencontré J.K. Rowling, quoi, enfin... C'est un truc de dingue, vraiment, j'aurais jamais cru un jour dans ma vie pouvoir l'avoir de si près. Je lui ai dit quelques mots, j'ai juste remercié pour tout ce qu'elle avait fait et j'ai réussi, truc de fou. J'ai fait dédicacer un livre. Donc j'avais choisi cette édition-là, première édition d'Harry Potter. Donc c'est pas un premier tirage, donc cette édition n'a pas de valeur parce qu'il y a des livres qui coûtent très cher, Harry Potter. Et du coup, donc je l'ai fait signer à l'intérieur. Alors je vais essayer de pas l'abîmer, c'est quand même un truc de fou, donc voilà. Je l'ai fait signer ici. Vous pourrez retrouver plus de détails, plus de photos détaillées sur mon Instagram, de mes autographes et de mes rencontres, tout ça. Et c'est juste un truc de fou. Je suis tellement heureuse. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Enfin, je sais que j'ai une chance de ouf, vraiment clairement. Et voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc là normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo, je viens d'arriver à Londres, là je tourne la vidéo un vendredi, je pars ce soir à Londres pour assister à l'avant-première des Crimes de Grindelwald, donc à Londres, qui aura lieu donc le mardi. Donc j'essaierai de vous vlogger ça et normalement ce sera le prochain vlog qui sortira sur la chaîne. En même temps je vous filmerai un peu de Londres, tout ça. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.